Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la ponctuation. Nous verrons plus particulièrement la ponctuation forte, celle qu'on place à la fin de la phrase pour la terminer. Comme nous l'avons vu dans la leçon sur la phrase, il existe 4 ponctuations fortes qui peuvent terminer une phrase. Le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. On utilise le point pour terminer une phrase déclarative. Cela sert à dire quelque chose, un fait, une idée. Par exemple, les élèves de 6e 3 travaillent ce matin au collège. On utilise aussi le point pour terminer une phrase injonctive. Cela sert à donner un ordre. Asseyez-vous. On utilise le point d'exclamation pour terminer une phrase exclamative. Cela sert à exprimer un sentiment fort, comme la joie, la colère, l'admiration. Quel beau collège ! On utilise aussi le point d'exclamation pour terminer une phrase injonctive. Cela sert aussi à donner un ordre. Taisez-vous ! On utilise le point d'interrogation pour terminer une phrase interrogative. Cela sert à poser une question. On peut commencer la phrase interrogative par un mot interrogatif. Par exemple, « Quel jour sommes-nous ? » ou en inversant le sujet et le verbe. « Sommes-nous jeudi ?» Faites bien attention à l'orthographe des deux expressions suivantes. « Qu'est-ce que tu fais ?» ou encore « Est-ce que tu travailles ?» On utilise les points de suspension pour terminer une phrase qui ne se termine pas. Cela sert à finir une liste ou à ne pas exprimer une idée. Par exemple, on dira « Ce matin, au marché, j'ai acheté des tomates, des courgettes, des aubergines. » On peut remplacer par « etc. » mais on ne met pas les deux. Voilà, vous savez tout sur la ponctuation forte qui permet de terminer une phrase. Recopiez bien la leçon et apprenez-la.